Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer ma recette de muffins végétaliens. Et ils sont tellement bons que vous devez les tester immédiatement, tout de suite, maintenant! Pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 200 g de farine, 90 g de sucre, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 150 ml de lait de soja vanille, un yaourt soja nature, 15 ml d'huile neutre, des pépites de chocolat, des fruits rouges congelés et de l'arôme de fleurs d'oranger. On va commencer par mélanger tous les ingrédients secs ensemble, donc la farine, le sucre vanillé, la levure et la pincée de sel. Dans un autre récipient, je viens verser le yaourt, j'y ajoute le lait végétal et l'huile et je mélange le tout. Je reprends mes ingrédients secs, je fais un puits et j'y incorpore la préparation d'ingrédients liquides. Ensuite, je vais diviser ma préparation en trois. Dans le premier bol, je viens mettre l'équivalent d'une cuillère à café d'arôme de fleurs d'oranger. Dans le second, j'ajoute les pépites de chocolat et je garde le troisième bol de côté. Je remplis mes moules aux trois quarts. Pour les muffins aux fruits rouges, je commence par mettre un peu de préparation au fond du moule. Ensuite, je mets une cuillère à café du fruit rouge que je recouvre ensuite avec de la préparation. J'avais envie de décorer un peu les muffins, donc sur ceux aux pépites de chocolat, j'ai mis des petits morceaux de fèves de cacao. Sur ceux à la fleur d'oranger, j'ai mis des amandes effilées. Et sur ceux aux fruits rouges, j'ai mis des petites graines de sarrasin. Et voilà, ils partent dans un four préchauffé à 180 degrés pour 20-25 minutes selon votre four. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire cette recette et à me donner votre avis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao !